to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, il va y avoir des frissons, il va y avoir de la torture, il va y avoir du grand, du beau, du Halloween. Non, je rigole, c'est pas Halloween aujourd'hui. Non, aujourd'hui on a une séance photo de prévu, donc aujourd'hui c'est la famille sorcier. Elias, il a un balai. On est beau, hein? Oui. T'es trop beau, toi. Maman, elle a fait un beau maquillage? Oui. Oui, et ça fait un petit peu peur ou pas? Non. Non, oh bah ça va alors, hein. Ce matin tu disais pas ça, hein. On va vous montrer nos tenues. Cette fois-ci, je l'ai acheté dans un magasin de sorcierie. Oui. Oui. Et vous savez quoi? Il nous manque des baguettes magiques. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous les a volées. C'est peut-être un monstre. On ne sait pas vraiment. Alors, vous retrouvez cette petite robe merveilleuse, magnifiquement monstrueuse, dans une petite boutique qui s'appelle Fête en Fête, qui est située à la Valentine, près de Marseille. Voilà, donc, regardez comme elle est jolie avec les collants. Et on a même un joli voile. Et on a aussi le chapeau, mais je l'ai retiré parce que je voulais vous montrer mes petites couettes. Et de plus près, mon maquillage. Et ici, vous avez un garçon sorcier. Montre-nous tes pouvoirs, garçon. Mais en tout cas, t'as un grand chapeau, toi. Oui. Ah oui? Ah oui, t'es super beau, hein. Donc on a préparé un petit peu tout ce qu'il nous fallait. On a même des fumigènes colorés et une belle sucette pour Elias. Pour la séance, après la séance photo, si Elias il a fait les jolies photos. On a notre fameuse citrouille qui fait très peur. Réalisée par le beau et grand Romain. Et on va emporter les autres citrouilles aussi. Alors Elias, tu sais où on va aujourd'hui? Tu sais où on va? On va à la forêt enchantée. Aujourd'hui, c'est la grande photo de la rentrée. Il va falloir qu'on aille à la forêt enchantée pour faire la photo de rentrée. Oui. Pour que nos pouvoirs se déclenchent avant Halloween. Oui. D'accord? Comme ça, Halloween, on pourra avoir plein de pouvoirs magiques. Ok? Donc on va aller voir s'il y a des petits champignons dans la forêt qui vont pouvoir nous donner nos pouvoirs magiques pour notre potion. On va prendre notre chaudron et on va mettre plein de choses dedans. Ok? Oui, et en plus, on y va très bientôt, comme ça il y aura presque personne qui pourront nous voir. Parce qu'il faut pas que personne nous voit, sinon ils vont vouloir nous voler nos pouvoirs. Ok? Ça marche? Et allez avant nous. Ouais, on va se cacher nous. Ça marche? Check, allez check sorcier. Avec le poing. Parfait. Regardez le maquillage que j'ai fait à Romain. Je me suis gavée par rapport à la dernière fois. Je pense qu'il est content, ouais. Mais il était très très exigeant. Ouais, mais c'est un peu dur pour moi. Aussi. Ouais, mais bah, t'es pas satisfait. Diras, hein. Tu me diras que depuis la dernière vidéo make-up que je t'ai fait, j'ai appris quelques petits trucs. Fais voir bien. Voilà ce que ça donne. Ah, mets ta capuche. Non, mais je vais pas faire de photo avec la capuche à ça. Bon, allez, c'est parti pour le shooting d'Halloween. Peur, hein. Bon, on vient d'installer des petites choses, on s'est mis dans la forêt. Voilà, on a un petit endroit, c'est là où on vient promener Isis, où on vous emmène de temps en temps. Et du coup, bah, Elias, il est habillé en sorcier. Tu fais coucou, Elias? Elle est où ta baguette magique? Elle est ici? Oui. Donc, voici son chaudron avec son balai magique et les petites citrouilles. Abracadabra! Vas-y, abracadabra! Oh non, je vous jure, c'est trop beau.
Bon, le shooting se poursuit. Romain est en train de faire de jolies poses démoniaques. Il nous fait peur. Hein. Voilà, comme ça. Ouais, tourne un peu le crâne vers moi. Voilà, parfait. Mathieu, il a plein d'idées. Ça fuse là. Ça va faire un super shoot. Regardez ce que ça donne. T'as peur de ça ? Ça va être trop beau. Vous verrez ça du coup sur Insta. C'est vraiment joli. Bon. On vient de terminer le shooting Halloween avec Mathieu Constance. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Il est vraiment top, c'est lui qui a fait notre intro. Donc les images, elles étaient déjà canon. Vous l'avez adoré l'intro. Donc je vous remets ses coordonnées. N'hésitez pas à le contacter. Il fait un peu de tout. Il est assez, il est vraiment polyvalent et il fait de tout en termes de photos. Donc n'hésitez pas si vous êtes de la région. Bon, ça y est, c'est de nouveau nous. On a été prendre la douche, on a mangé, enfin on a fait tout ce qu'on avait à faire. J'avais quelques petites choses à faire aussi. J'ai monté le vlog, j'avais des mails à traiter, j'avais des previews à faire, enfin bref, plein de petites choses. On a eu des premiers résultats de la séance photo. Je suis désolée pour les lunettes, franchement ça rend trop bien, c'est vraiment top. Je suis désolée, dites-moi si ça vous dérange le reflet du coup comme ça si ça vous dérange lorsque je filme avec les lunettes. Sinon je viens de me changer, du coup je vais vous montrer ma tenue. Donc regardez le petit pull bordeaux avec la petite jupe un peu plissée. Je suis désolée, avec la luminosité on voit pas très bien. Et j'ai remis les bottes, du coup j'adore la tenue, mais on voit pas très bien avec la luminosité. Bon, je vous reprends ce soir, on est en train de manger, il y a Maë et Ju avec nous. Hello. Ce soir on va faire Monopoly, des trucs comme ça après manger. Ouais. Ça va être trop cool, on va faire un Mario et tout. Comme Romain il a son jeu n'est pas encore chargé, ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. Voilà, du coup là pour ce soir c'est épinards avec une escalope, du riz et une petite salade avec des tomates et de la mâche. Miam miam miam. On va se régaler. C'est parti. On va jouer au Monopoly. Ouais, mais ça déjà bien compliqué parce que vous êtes déjà ligué contre moi. N'importe quoi. Moi j'ai rien dit, je savais même pas. J'ai été couché, Elias. Je suis descendu, ils étaient en train de marronner. Oui, on s'est changé nos cartes et tout ça, mais je vous ai capté là tous les trois. Là. Quoi ? Mais moi en vrai, moi en vrai, Jus. Je savais même pas de quoi tu parlais quand j'étais là, j'étais juste en mode ok, qu'est-ce qui se passe? Donc je savais pas, d'accord? Donc moi j'ai... Moi je triche pas, jamais triché moi. Oui, je suis pas une tricheuse moi. On va acheter le nouveau Monopoly spécial tricheur là. Ah, oh, ça serait trop cool. On était en train de parler d'un truc, je sais pas si vous aussi, pendant vos années de primaire, vous avez retourné vos paupières. Romain il faisait ça quand il était petit. Ouais, au collège, vous voulez pas? Vas-y, fais-nous voir. J'ai mal fait. Bon, on va faire un petit challenge. Celui qui tombe sur la case prison va devoir faire des stories un peu compromettantes. Vous voyez le truc? Voilà. Ouais, moi, je suis d'accord. De toute façon, ils inventent des règles avec le parc où les taxes arrivent sur le milieu. Du coup, je suis d'accord d'inventer cette règle aussi. C'est avec fun, c'est avec marrant. Allez, on vous dira ça. Vous verrez ça sur Insta du coup. Bon, je vous clôture le vlog d'hier. Du coup, Romain a gagné au Monopoly. Et puis, on a bien rigolé avec nos petits défis. Je sais pas si vous avez vu ça sur Instagram. C'était complètement con, mais c'était très rigolo. On a fini par regarder un film d'horreur. Puis après, ils sont repartis chez eux. Donc aujourd'hui, on a plein de choses de prévues. Aujourd'hui, nous sommes le 26. On est samedi. Donc là, on part à Hockey Coral. C'est un parc d'attractions. Romain est déjà dans la voiture. Du coup, on vous emmène avec nous, comme d'habitude. Et puis bah, on va passer un chouette week-end, on fait toujours un vlog de week-end donc... Bon, on est bien arrivé à Hockey Coral, tout est hyper sympa, tout est vraiment bien décoré sur le thème d'Halloween. C'est vraiment sympa, on est vraiment dans l'ambiance, Elias il adore. On a commandé des petits trucs à manger avant de commencer le parc. On a pris des nachos, c'est trop bon, je vais vous montrer ça. On a pris ça, c'est super bon, vraiment.
Bon, on vient de sortir du parc. On a passé une très très chouette journée puisque le parc est vraiment bien décoré pour le thème d'Halloween. Il y a plein de petites animations, etc. Donc pour le thème, c'est super sympa. Par contre, je vous avoue, je reviendrai pas hors période d'Halloween par exemple, parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés. Je trouve que les attractions sont très vieilles, etc. Et que bon, c'est pas ouf quoi. C'est par rapport à ce qu'on a fait nous dans le nord et ce qu'on avait nous dans le nord comme parc d'attraction, c'est vraiment pas top. Mais bon, on a passé quand même une belle après-midi. On a pu découvrir un petit peu le parc sur le thème d'Halloween. Et par contre, les décorations sont ouf, hein, c'est vraiment sympa. Même les petits spectacles. Et les petits spectacles, etc. C'était cool, franchement. Bon, on est bien rentré à la maison. On a pris un McDo sur le trajet. On était un peu fatigués pour cuisiner ce soir. On a eu des journées pas mal intenses ces derniers jours. Voilà, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. À un moment, il faut calmer le rythme et se reposer. Du coup, là, je suis pas mal fatiguée. Je pense que je vais me coucher très tôt. Elias, il s'est vraiment bien amusé aujourd'hui. Il avait envie de vous faire un coucou, je crois. Tu veux dire un secret ? tu me copies en fait. Tu fais comme moi. C'était le moment ASMR d'Elias. Voilà, c'est ça, le moment ASMR de Elias. Non mais hé, tu vas pas aller au jeu intérieur garçon, on a été au parc aujourd'hui. C'est bon là, tranquille. Chaud. Tranquille. Tranquille un peu là. Tes vacances là, monsieur. T'es gâté pour tes vacances toi là. Bonjour à tous. Bon là on est dimanche, on se reprend le lendemain matin. On emmène Elias aux terrasses du port, on va aller acheter quelques petits vêtements. Elias a déjà grandi par rapport à la rentrée, donc on va aller rechercher. On sent qu'on est en manque de pantalons, il n'y en a pas assez pour la semaine. Du coup je vais refaire un tri dans les vêtements d'été. Mais bien que là, en fait ces derniers temps il y avait eu un peu moins de beau temps. Et là il refait 26 degrés, enfin bref c'est un peu aléatoire, mais c'est cool. Du coup on va aller quand même acheter quelques pantalons pour les journées plus froides parce qu'on n'en a pas assez. On est chez Sergent Major et regardez, on a trouvé les deux mêmes pulls pour Elias et papa, c'est trop trop beau. On va les mettre à la maison parce que papa il a essayé pour savoir sa taille. D'accord, il est content Elias d'avoir le même pull que papa. Bon, finalement on est arrivé à l'avenue 83 à la Valentine, mais on s'est fait avoir, tout est fermé. Donc pas de shopping aujourd'hui finalement. On a juste un petit haut pour les garçons. Et puis c'est tout, mais bon, c'est pas grave, on reviendra. Quand il sera à l'école par exemple. C'est ça. On est en train de regarder les photos du shooting avec Elias. Je vais vous montrer un petit peu le rendu, c'est vraiment cool. Vous allez les retrouver du coup sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta du coup. C'est poids.family sur Insta. Elias, il fait le petit coquin. La 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 la. T'es beau. Du coup, je vous montre rapidement quelques photos. Bon, vous verrez pas bien au niveau des couleurs, etc. Parce que bah, la luminosité, elle est pas très bonne. Mais puis, je vous filme l'écran. Mais les photos sont à retrouver sur Insta du coup. Bon alors regardez comme c'est mignon. C'est vraiment trop chou. On a passé un super bon moment en plus. Les photos sont vraiment belles. Du coup j'espère que ce vlog du week-end vous a plu. On n'a pas fait beaucoup beaucoup de choses. Mais c'était plutôt cool sur toutes ces choses sur le thème d'Halloween. C'était vraiment sympa. Je vous fais un énorme bisou. Puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like sur les divers réseaux sociaux. Et à nous rejoindre sur Instagram. Je vous fais un gros bisou. Ciao ciao.